Vendredi 10 mai, Elisabeth II participait au troisième jour du Royal Windsor Horse Show. Sous la pluie, la monarque de 93 ans arborait un look très anglais. Comme tout Britannique, Elisabeth II est habituée à la pluie. Depuis plusieurs jours, la monarque de 93 ans assiste, comme chaque année, au Royal Windsor Horse Show. Mais pour cette édition, elle doit composer avec le mauvais temps de ce début de mois de mai. Mais pas question pour la reine de se laisser intimider par quelques gouttes de pluie. Vendredi 10 mai, pour le troisième jour de cet événement, elle avait même opté pour un look so British. Pour cette sortie non officielle, Elisabeth II a troqué ses looks colorés pour un style bien plus pratique. Dans un long imperméable marron de circonstance, celle qui a découvert le petit Archie il y a quelques jours, a admiré les chevaux en pleine action. Avec un foulard sur les cheveux histoire de ne pas ruiner sa coiffure. Et la monarque a même choisi un accessoire tendance puisqu'il était fleuri. Sur place, elle a pu admirer son époux au volant d'une calèche. Dans les jardins de Windsor en effet, le prince Philippe s'est amusé à prendre quelques cours de conduite, seulement quelques mois après son accident. Deux jours après la naissance du premier enfant de Meghan Markle et du prince Harry, Elisabeth II a enfin pu rencontrer son huitième arrière-petit-enfant mercredi 8 mai, quelques minutes avant la présentation officielle du Royal Baby. Sur le compte Instagram de la famille royale britannique, la reine d'Angleterre apparaît évidemment tout sourire devant le petit Archie Harrison. Elle est notamment entourée de son époux Philippe, tout aussi ravi par la rencontre de ce petit bout.